Hello les amis, je vous espère en pleine forme. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi si l'image est bonne et si le son est bon sur les différentes plateformes, sur YouTube, sur Facebook et sur Insta. J'avais un petit souci avec Insta tout à l'heure. Et on va commencer notre petite séance du dimanche soir pour finir le week-end ensemble les amis. Et ça me met en joie. Coucou Dominique, ça a l'air de marcher. Coucou Nadia, coucou Sophie, coucou Karine, Isabelle, Clément, Cathy, Wendy sur Insta, vous êtes déjà nombreux. Jamila, Tammy, Alexandra, bienvenue à vous, bienvenue à vous. Ça a l'air de marcher, on est bien sur Facebook. Coucou Olivier, Victoria, Sophie, Noémie, Claire. Yes, magnifique les amis. J'espère que vous avez eu un beau soleil chez vous aujourd'hui. Nous, on a eu un temps magnifique. Ça fait un bien fou de revoir des gens aussi qui font du sport en nature. Ça fait vraiment un bien fou, les amis. Coucou Mamanu, Hélène, Steph. Alors, je vous invite, une fois que vous êtes arrivés et que vous m'avez fait un petit coucou, coucou ma Florence, comment vas-tu? Je vous invite vraiment à partager ce live, s'il vous plaît, les amis. Partagez-le sur vos murs pour que ça puisse servir, coucou Soumaya, au plus grand nombre. On en a besoin en ce moment avec ce monde qui change. Donc partagez ces outils pour qu'on puisse prendre soin de soi tous ensemble, les amis. Et on va s'asseoir par terre tranquillement. On va prendre un petit cheveu qu'on tire vers le haut. Vous m'excuserez si j'ai besoin de me moucher pendant la séance, parce que j'ai eu la chance d'aller faire une de mes passions qui est le surf, vous savez bien. Donc, j'ai de l'eau plein les sinus. On se tire le petit cheveu vers le haut. On relâche les épaules. On met un petit smile sur son visage. On relâche sa sangle abdominale. Et vous fermez les yeux et vous tournez votre regard à l'intérieur. Et vous tournez tous vos sens vers l'intérieur. Le ventre se relâche, on met une jolie posture pour tenir le dos le plus droit possible, avec le minimum d'effort, et on regarde et on sent son ventre qui gonfle et qui dégonfle. Comme si vous aviez une bouée autour du ventre. Et à chaque inspire, vous gonflez cette bouée, chaque expire, elle se dégonfle naturellement. Et puis on écoute sa respiration. On reprend contact avec elle. Quel bruit elle fait. Et puis on la sent au niveau kinesthésique, à travers son nez, ses narines. Qu'est-ce que ça me fait de prendre conscience du frottement de ma respiration, du toucher de l'air à l'entrée des narines et puis du frottement à travers les narines? Est-ce que je sens ce frottement dans l'arrière-gorge? Est-ce que je sens ce frottement de l'air dans ma trachée? Est-ce que je sens ce frottement de l'air jusque dans mes bronches, bronchioles, alvéoles? Suivez le chemin de l'air. Écoutez le parcours de l'air. Et ressentez le parcours de l'air en vous, depuis son moment où il entre à travers les narines, jusqu'au moment où il va se déposer dans les sacs alvéolaires. Il gonfle ces millions de petits sacs que vous avez, que sont les alvéoles. Ressentez ce ballon de baudruche que vous avez à l'intérieur des poumons. Ces millions de ballons de baudruche qui se gonflent et dégonflent. Et puis tranquillement, on va faire une pause inspiratoire à la fin d'une inspi. Vous allez simplement ne pas être pressé d'expirer.
Et vous allez faire une apnée poumon plein en sentant ces millions de petits ballons de baudruche que vous avez dans les poumons, ces alvéoles qui restent gonflés pendant 5, 6, 7 secondes. Et regardez ce qui se passe en vous et vous soufflez. Et à la fin de l'expiration, on va aussi faire une pause expiratoire de 5, 6, 7 secondes. Et regardez ce qui se passe en nous. Et vous continuez, vous réinspirez, vous faites une pause inspiratoire de 6, 7 secondes. Et explorez ce qui se passe dans votre tête, dans vos pensées, ce qui se passe dans votre corps, dans vos sensations corporelles, quand vous êtes entre deux eaux, quand vous êtes entre la vie et la mort, avec cette inspiration suspendue, avec cette expiration suspendue. Sentez les pulsations cardiaques, écoutez les pulsations cardiaques. Dans les pauses ventilatoires que vous faites, essayez de percevoir votre pouls partout. Pas seulement dans votre poitrine, pas seulement dans les tempes, pas seulement dans les plis inguinaux, les aisselles, les plis du coude, là où c'est le plus simple de ressentir. Essayez de sentir cette pulsation partout dans votre corps, dans les moments où vous suspendez votre respiration. Gardez le petit sourire sur votre visage et détendez tout votre corps. Sentez toute votre périphérie, toute votre enveloppe, tout votre corps qui bat à l'unisson avec cette vibration de votre cœur qui se transmet à chaque battement partout. Tournez tous vos sens vers l'intérieur pour ressentir ces pulsations quand vous suspendez votre respiration, pour les entendre. Pour peut-être même les voir, vos yeux fermés, voir qu'il y a un soubresaut. Si vous êtes très attentif, derrière vos paupières fermées, vous allez sentir qu'il y a un soubresaut. Et puis tranquillement, vous allez sentir les zones de pression, les zones d'appui de vos fesses, de vos pieds, de vos cuisses, où vous êtes assis au sol. Et puis vous allez imaginer des milliers de petits trous comme une passoire, sous vos zones d'appui, sous les fesses, sous les pieds. Et vous allez imaginer des racines qui viennent de votre colonne vertébrale, de votre moelle épinière, qui vont aller s'infiltrer, on utilise le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la visualisation, et on va imaginer que votre moelle épinière va venir s'infiltrer dans tous ces milliers de petits trous de passoire que vous avez sous vos zones d'appui. Et ça va s'infiltrer pour devenir des racines nerveuses qui vont continuer à se planter très profond dans la terre,
Imaginez qu'elle traverse les fondations de votre maison, que ça rentre dans la terre et que ça va le plus profond possible jusqu'au centre de la terre. Et sentez votre corps avec une jolie posture, reprenez une jolie posture suspendue. Ressentez les battements de votre cœur et sentez que vous faites des micro-oscillations de droite à gauche, d'avant en arrière. Et sentez maintenant que vos racines vont puiser tous les minéraux, toute l'énergie de la terre, l'énergie de notre terre-mère. Et toutes vos racines nerveuses vont s'imbiber, se nourrir de ces sels minéraux, se nourrir de cette énergie de la terre et vont la remonter jusqu'à votre colonne vertébrale, votre moelle épinière. Sentez que c'est en train d'aspirer, de sucer, de puiser tous ces minéraux, toute cette énergie de la terre, cette belle énergie. Faites le chemin inverse du centre de la terre. Sentez tout ce mycélium que vous avez créé, tout ce réseau qui d'ailleurs vient se connecter avec tous ici qui faisons l'exercice, et bien au centre de la terre, sentez que vos racines nerveuses se sont intercommuniées, se sont rencontrées avec celles des autres. Les autres êtres humains qui sont là, ici, avec nous, on est une centaine. Sentez que ça fait du bien de se rencontrer avec ses racines au cœur de la terre et sentez que chacun d'entre vous, vous êtes en train de faire remonter ces sels minéraux, cette belle énergie dont vous avez besoin dans vos vies pour vous éclairer, pour éclairer ceux que vous aimez. Et sentez maintenant, une fois que vous avez pris conscience de ce mycélium, de ces intercommunications entre toutes nos racines, et bien à chaque inspiration, maintenant, vous allez assimiler ces minéraux qui sont remontés, les assimiler dans votre colonne vertébrale, sentir votre colonne vertébrale qui se réchauffe, sentir vos racines nerveuses qui remontent tout ça jusqu'à revenir dans votre moelle épinière et sentez votre moelle épinière, peut-être des frissons qui remontent des fesses vers le visage, à travers votre dos. À chaque inspire, chaque expire, sentez cette énergie de vie qui est venue vous recharger, vous stimuler, vous nourrir, nourrir votre arbre de vie qui est votre colonne vertébrale. Et puis on va prendre trois grandes respirations. On va faire remonter ses racines tranquillement jusqu'à son sacrum. Elles ont joué leur rôle d'aller puiser l'énergie de la terre, d'aller s'ancrer, s'enraciner. Et vous allez inspirer et soupirer. Soupirer que je vous entende pour faire descendre dans vos cellules, dans votre corps intégré. Toute cette belle pratique d'enracinement qu'on vient de faire, de nutrition profonde, de régénération de son système nerveux. Et tranquillement, on va ouvrir les yeux et on va bâiller. Oh, vous allez bâiller, les amis, pour faire sortir la fatigue. Faire un reset de votre système nerveux, laisser votre ostéopathe intérieur éclore pour ceux qui le font pour la première fois comme une fleur du centre vers la périphérie. Ébailler, laisser vos mains frotter comme elles ont envie pour stimuler certaines zones énergétiques. Yes, les amis, comment a été cette méditation régénérante du système nerveux? Je trouve que c'est une très belle méditation, un très beau centrage. Coucou Frédéric, coucou Corinne, Stéphanie,
Ishrak, Marise, Val, Cathy, Sarah, Mounia, ça fait plaisir de vous voir les amis. Alors, très bonne question, ma Christelle. Comment tu... Le pouvoir de l'imagination, Christelle. Je faisais faire ça quand je fais des workshops. Ça m'est arrivé dans des grandes tours, type les tours de la Défense au 40e étage. Le pouvoir de la visualisation. Ton deuxième étage, il est posé sur un premier étage et le premier étage, il est posé sur des fondations et les fondations sur la terre. Donc, c'est vraiment extrêmement puissant. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple quand tu es dans un jardin et que tu sens directement le contact, mais parfois, on n'a pas le choix. Nadia me dit « Quel enracinement ?» Yes, Olive, j'adore cet exercice d'enracinement. Dominique, une très grande détente, géniale. Fred, trop de frissons de la colonne vertébrale, c'est génial les amis, magnifique. Alors, on va aller mettre son tapis de yoga contre le mur et on va aller libérer un petit peu sa chaîne postérieure. Soumaya me dit, très bien, mets un point dans le dos sous l'omoplate. Respire Soumaya avec ce point dans le dos que tu as. Imagine que ton nez, il est dans ce point-là et fais-le respirer et tu vas voir, tu peux te poser la question comme je sais que tu es très en lien avec ça. Tu peux te poser aussi la question de quelle émotion quelle émotion fait écho à ce point-là. Et en même temps que tu respires, eh bien, tu respires avec l'émotion et tu respires avec la tension que tu as et tu vas voir, ça va se libérer. On va mettre les fesses contre le mur, les amis. Je disais ça à Soumaya, mais c'est valable. Vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de dichotomie entre la tête et le corps, les amis. Et souvent, dans beaucoup de traditions, dans toutes les traditions d'ailleurs que j'ai traversées à travers les 75 pays que j'ai traversés, les 5 continents, il y a toujours une corrélation entre une tension physique et une tension aussi au niveau de son corps émotionnel, au niveau de ses émotions. Donc, c'est toujours très intéressant d'essayer de faire le lien et de respirer avec. La clé, c'est « be with it ». Breathe with it. Sois avec, respire avec les amis. J'adore vous partager des choses quand j'ai les pieds en l'air comme ça. On lève les pieds, on ramène les orteils vers soi, on tend les bras derrière, tu rentres le menton, tu aspires le nombril et on essaie de s'auto-grandir. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire les talons, on tire les doigts, on rentre le menton, on rentre le nombril, on est en apnée et ça fait un bien fou. On relâche tranquillement en oscillant le bassin et on y retourne. On tire, on tire, on tire, rentre le menton, rentre le nombril. Grandis-toi, 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 tire les talons. Allez, on tire et on relâche. Magnifique. Splendide. On va tirer que le côté droit maintenant, jambe droite, bras droit, on tire, on rentre le menton, rentre le menton, rentre le nombril, on est en apnée, on tire, on tire, on tire, on tire, et on relâche, splendide. Exercice extraordinaire, inspiré de la méthode Mézières notamment, qui relâche complètement le champ contractile postérieur, on tire le côté gauche, jambe gauche, bras gauche, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on rentre le menton, on rentre le nombril et on relâche. Exercice qu'on retrouve dans différentes traditions, notamment dans le Qigong aussi. On fait une oscillation harmonique du bassin avec un pivot sur les talons. Et maintenant, on va tirer pied gauche, main droite. On tire en chaîne croisée. On rentre le menton, on rentre le nombril. Tire, 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 loin, loin, loin. Et relâche. Magnifique. Maintenant, on tire pied droit, main gauche. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Rentre le menton, rentre le nombril. Et on relâche. On reste une petite trentaine de secondes dans cette position détendue et on va simplement gonfler le ventre et dégonfler le ventre. Inspirez sur 5 temps, soufflez sur 5 temps, inspire. Souffle.
Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On ouvre le plus possible. On essaie de coller les genoux, ramener les orteils vers soi. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouvrez les membres supérieurs en V. On rentre le menton, on rentre le nombril. On tire les doigts comme si on était écartelé. On essaye de s'étaler comme une crêpe et on profite du corps qui se régule. On relâche, c'est-à-dire qu'on met plus de tension active et on inspire, gonfle le ventre, souffle, inspire, souffle. Et on va tranquillement plier les genoux, ouvrir les jambes. À droite, on ouvre la main gauche à gauche, on attrape la main droite sur l'aisselle, on regarde à gauche et tu inspires et tu gonfles le flanc gauche. Si tu inspires bien, normalement ton omoplate gauche il doit se décoller. Ça fait une posture d'ouverture pour le pectoral gauche. On plie et on tourne tout doucement, tranquillement. Je tends la main droite, mes jambes sont tendues à gauche, je regarde vers vous à droite, j'attrape avec ma main gauche mon aisselle droite, j'inspire, je gonfle le flanc droit. Inspire. Inspire. Une dernière. Magnifique. On revient tranquillement, tout doucement. Et on va revenir ici. Comment ça va? Comment a été cet exercice, les amis? Est-ce que c'est le côté droit qui vous a tiré le plus aujourd'hui, le côté gauche, la chaîne croisée, les deux en même temps, d'écarter les bras? Dorothée me dire, j'adore les enracinements, génial. Alors, on est bien là. On va. J'attends vos retours, ok. On va tranquillement. On va tranquillement venir ici. On va s'occuper un petit peu de son diaphragme. Vous allez prendre la pointe des doigts comme ceci. Vous allez trouver, je me rapproche un petit peu pour que vous me voyez mieux, le bas de votre sternum qu'on appelle l'appendice xiphoïde. Vous allez voir qu'il y a un V avec le cartilage commun de la cage thoracique ici. Et vous allez tranquillement passez votre main en cuillère, comme ceci, ici. J'ai mon autre main qui est par-dessus mes doigts, qui vient aider. Et je vais inspirer tranquillement et je vais venir m'alaxer sous les côtes, tranquillement. Et si j'ai un petit point de tension, je souris et je ponce. Je ponce, ça veut dire j'appuie en faisant des ronds, comme ceci. On va venir détendre ici et je vous invite à, pour une fois, dégouliner sur vous-même. Si je mets comme ça, à vous fermer ici, vous fermer autour de vos mains pour aller un petit peu masser. Et si vous avez une zone de tension ici, alors vous changez de main, la main en cuillère, je répète, on passe sous les côtes, sous le cartilage commun. Et si vous avez une zone de tension, je vous invite à inspirer pour venir à la rencontre de cette zone de tension que vous avez sous la pulpe de vos doigts, de faire une petite apnée
Et quand vous soufflez, vous allez voir que ça va se détendre et vous continuez de poncer et de vous déplacer tranquillement. Vous pouvez faire les deux en même temps maintenant. Vous pouvez rentrer vos mains comme ceci et aller prendre soin des piliers diaphragmatiques, des coupoles diaphragmatiques, de ce que vous arrivez à appréhender. Et vous vous repliez sur vos mains comme ceci. Et essayez d'aller masser cette zone qui est si importante au niveau de votre physiologie. Le diaphragme, il se mobilise 25 000 fois par jour, il fait un pompage au niveau de vos organes, il a besoin aussi d'être détendu. Et surtout, vous prenez conscience de cette partie, vous, en touchant avec la kinesthésie, vous prenez conscience de cette partie de votre corps qui est tant, si importante pour la respiration. On relâche tranquillement. Magnifique, on va détendre ses épaules, vous allez pouvoir les monter et lâcher, puisque vous avez fait travailler un petit peu les deltoïdes, on monte, on détend. On va mettre une main ici, on va attraper ces deltoïdes, ici ces deltoïdes, ces trapèzes, c'est ce que je dis, et on va pincer comme ceci, comme si on malaxait de la patte à pain. Hop, je tiens mon coude parce que c'est plus facile, comme ça, ça s'appelle un fulcrum, je viens détendre un petit peu, pétrir mes trapèzes. Je change tranquillement. Je viens pétrir le trapèze de l'autre côté pour me détendre. Hop, super. Et je viens aller attraper maintenant mon deltoïde et je viens masser, pétrir un petit peu, prendre soin de moi. Et puis, je prends conscience de cette chaleur de la main et puis je le fais à une vitesse. Là, j'allais un petit peu vite pour me sécréter de l'ocytocine. Je me fais un câlin à moi-même. Et je détends mes épaules qui ont travaillé un petit peu pour détendre en détendant mon diaphragme. Et je change de bras. Ce bras-là, il est complètement détendu. Et je viens pétrir un petit peu mon deltoïde en me faisant un câlin et en te disant à l'intérieur que tu es plutôt un bon gars ou une bonne, je ne sais pas comment on dit au féminin, ou une belle personne. Voilà. Super, magnifique. On va finir par une petite pratique respiratoire, les amis. On va inspirer sur 4 temps, tenir sa respiration 4 fois 4 temps, donc 4 secondes, on va tenir sa respiration poumon plein 16 secondes et on va souffler sur 8 secondes. D'accord ? J'inspire sur 4, je retiens ma respiration sur 16 et je souffle sur 8. Ok, c'est parti. Inspire par le nez. Retiens. Souffle sur 8. Inspire sur 5. Retiens sur 20. Tenez bon. Souffle sur 10. On récupère tranquillement, on ventile. Et mettez-moi les sensations que vous avez eues sur cette respiration en triangle. Et puis sur le massage du diaphragme, les amis. Qu'est-ce que ça vous a... Est-ce que vous avez eu des douleurs? Est-ce que vous avez eu des points de tension sur ces coupoles diaphragmatiques, sur les insertions du diaphragme sous les côtes, c'est vraiment quelque chose qui est à faire de temps en temps.
C'était un plaisir de passer ce moment avec vous, les amis. Très belle méditation au début d'enracinement. Je vous invite à aller vous inscrire sur notre site internet lifeforcewithyou.com, les amis. Je passe par-dessus Instagram pour aller chercher le livre que je veux vous montrer. Si vous vous êtes pas encore procuré mon livre Revive, il y a 356 pages sur toute la méthode dompter son stress, les clés de la santé, de la vitalité, tous les principes du vivant et la dernière partie sur la raison d'être, les amis. Et je vous invite, il y a un super pack avec la formation en ligne, les fondations de la méthode qui est un très beau moyen de vous auto-coacher, les amis. Je suis ravi de vous annoncer qu'on a mis en ligne les prochains stages. On a un stage à Avignon, on a deux stages à Avignon, début avril et début mai. Un stage de 2 jours, le stage Renaissance. Vous avez toutes les informations sur le site internet dans l'onglet stage. On a envoyé la newsletter, Marie-Camille a envoyé la newsletter ce matin que vous avez dû recevoir. Si vous êtes inscrit, si vous n'êtes pas, inscrivez-vous sur le site internet. On est très content, je suis impatient parce que, comme vous le savez, on a eu 7 stages d'annulés depuis l'an dernier. Donc, on est en manque de vous voir, de pouvoir interagir parce que si vous êtes, j'ai nombreux de mes stagiaires qui sont connectés, là, on est plus d'une centaine sur les différentes plateformes. Vous savez que moi, ce qui me met en joie avec Axel et Marie, c'est vraiment de vous voir et de partager ces moments. Donc, allez voir si vous êtes, si vous souhaitez rejoindre. On a downsizé, parce que pour ne plus prendre de risques dans les ERP. Donc, on a trouvé un très, très beau lieu qui nous accueille. Il n'y a que 20 places. Et donc, début avril, vous allez voir, et début mai. Et on a toujours notre stage 6 jours ascension dans les Alpes italiennes, un très bel endroit au mois de juillet, la semaine du 12 juillet, si je ne m'abuse. Et on verra si on propose en août, on va attendre un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe pour ouvrir, parce qu'on a tellement de demandes pour le 6 jours. C'est une très, très belle expérience. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Si vous souhaitez nous soutenir, nous fait toujours un grand plaisir par rapport à notre projet d'amener la méthode Lifeforce aux enfants dans les écoles. Allez voir notre page Tipeee, on a besoin de vous. Lifeforce David Tan, ça fait vraiment sens que des gens qui suivent, les adultes qui sont touchés par la méthode, nous soutiennent. Donc, je vous invite à aller voir ça, les amis. Et c'était un plaisir de passer ce dimanche soir avec vous. Partagez ce live, s'il vous plaît. C'est la contribution énergétique que je vous demande. Il faut que ça serve au plus grand nombre, ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à le partager à des gens qui sont dans le besoin, dans votre entourage, qui ont besoin d'outils concrets. Et je vous retrouve mercredi en pleine forme. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez, les amis. À très, très vite.